bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à l'hôtel Exo, en lien avec l'exposition British Stories au Musée des Beaux-Arts, puisque la famille Exo était une famille irlandaise, installée à Bordeaux au tout début du 19e siècle, et qui va se faire construire un petit château de campagne vers 1880. Alors la campagne, puisque le quartier Saint-Genès où nous sommes est à l'époque vraiment la campagne, et surtout il faut s'imaginer entouré d'un très grand parc, extrêmement beau, avec plein de petites sinuosités pour découvrir progressivement en fait cette architecture. Alors cette architecture justement, nostalgie de la maison oblige un petit peu, on va la retrouver dans un style anglais. Nostalgie mais aussi mode, puisque à l'époque l'anglomanie est très en vogue, et donc on va la reconnaître avec les petits moellons en pierre un petit peu bruts, les pierres de taille qui elles sont sur les bords des murs et des fenêtres, les bow windows. Si on lève un petit peu la tête, on va trouver des pignons assez pointus surmontés de fleurons sculptés. Et puis surtout, on va avoir ce porche qui nous donne quand même très envie d'être franchi. Donc je vous invite à me suivre. Alors pour construire ce château, ils se sont entourés de l'architecte Louis Garros, qui est très habitué de style anglais. On va retrouver notamment le bois un petit peu massif, foncé au niveau des boiseries. On va retrouver également ces décors. Décors, en fait, ils vont s'inspirer des revues. Il existe des revues de style qui vont circuler un petit peu partout en Europe. On a retrouvé d'ailleurs de ces revues dans le fond de l'architecte, donc on voit qu'il les connaissait bien. Il a construit d'autres châteaux dans ce style-là. Malheureusement, dans ce fond, nous n'avons pas le plan du premier étage. On peut supposer qu'il y avait la partie un peu privée, tout ce qui était chambre. En revanche, on a la chance au rez-de-chaussée de conserver encore quelques salons de réception. Allez, je vous emmène. Voici justement dans l'un des trois salons de réception du rez-de-chaussée où on a la chance d'avoir conservé une très grande majorité du décor d'origine. Ça va passer par le parquet, mais également par le plafond à faux caisson et évidemment toutes les boiseries qui nous entourent, qu'on va retrouver tant au niveau de la cheminée que des encadrements de portes qui sont extrêmement travaillés. Et on voit que justement les salons communiquent entre eux. Donc on va pouvoir passer dans le salon principal, qui est du coup beaucoup plus grand et où on va voir que justement la puissance de ces boiseries va être allégée par des vitraux qui vont amener une petite touche colorée. On retrouve là encore tout le confort avec une cheminée. Mais surtout ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que c'est devenu après. Parce que finalement, après seulement une vingtaine d'années d'occupation par la famille Exo, ils vont décider de vendre le château. Et au début du XXe siècle, il va être transformé en une annexe du lycée pour jeunes filles. Il se trouve qu'on a les plans qui nous montrent comment étaient réparties les salles. Donc figurez-vous qu'ici, ce salon est transformé en salle de récréation, au milieu de salles de classe, de salles de sport, de salles de couture. Et aujourd'hui, depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est la CFDT qui occupe ce lieu, qui a à cœur de l'ouvrir justement pour qu'on puisse le découvrir. Donc ils nous laisseront l'accès dans le cadre des balades urbaines pour que vous puissiez le voir par vous-même. Donc je vous invite à nous retrouver très bientôt. Au revoir.